J'espère que. Tu sais, ma mère. Moi, ça, tu t'es acheté deux oreillers. Ben, parce que. Bon matin, gang! Il est rendu midi et quart, on s'en va au cinéma! Même s'il fait quand même beau, mais les nuages s'en viennent. Bon, il faut que je l'ajuste, là. Aïe, hein. On veut la faire de quoi? On parle, hein? Bon, là, faut gâter ton œil, là. Et le piton, regarde, tu le vois, là. Et on s'en va. On, je sais qu'il fait beau, mais on s'en va au cinéma. Il sort plus, lui. OK. Il y a une belle main. Bon, gang, on est allé au cinéma. On est allé voir. Il y a une belle caméra. Bonne Cop. Ah, c'est vrai? Bad Cop 2. Hey, c'était vraiment bon, maman. Ouais. Sauf que là, pendant le film, deux fois, ça a comme fait un genre de gros spot orange. Puis le film s'est arrêté. On entendait juste les paroles, mais on voyait plus l'image. Ça a fait ça deux fois. Fait qu'on a manqué deux bouts du film. C'est vraiment décevant. Attends un peu, il y avait de la misère, je sais pas. Là. Ben là, tu vas aller prendre l'autoroute. Hey, mais on va te chercher un café glacé. Je sais pas, je me sens. Sérieux, gang, là? Peut-être. Suite après être sortie du film, je suis allée chercher des noix de cajou. Non, mais c'est pas avec ça, c'est parce que t'as faim, là. On a faim, on n'a pas dîné. On dîne-tu? Puis... Ouais. Ok, où? N'importe où, mais moi j'ai l'impression que je vais me vanner, je suis vraiment pas. Je sais pas, bien choisi. Puis de une grosse bouteille d'eau, j'ai calé ma bouteille d'eau, tout ça, je me sens déshydratée, j'ai soif là. Puis. Ok, gauche, droite. Pour le Costco là. À droite. Pour le Costco à droite. On va aller manger au McDo. Non, mais on va aller manger quelque part où? Costco, il y en a faim. Au Tim, une petite soupe au Tim. Ben, il y a sûrement des restaurants là-bas là. Autre que le Tim. Cuisinos Sub? Tu veux un Cuisinos Sub? Ouais, ce serait bon. Puis là, c'est ça, j'ai calé une grosse bouteille d'eau, mais je me sens encore super déshydratée. Je sais pas ce que j'ai vraiment l'impression que je vais perdre connaissance. Puis ça fait comme 2-3 semaines que je file pas de même. Puis là, tout le monde, vous autres, les abonnés, vous me dites: ah, fais un test de grossesse, on dirait que t'es enceinte à cause de tous les symptômes que j'ai. Mais tu sais, je sais, là, je suis certaine que je suis pas enceinte. Ce serait le fun dans ta barnaque. Puis après ça, j'allais me faire couper les cheveux. Goodbye! Goodbye, my love! La fille, j'ai fait enlever 3 pouces, OK? La fille, on s'en va dîner. La fille, elle m'a coupé les cheveux au clipper. Là, je dis: hein, c'est la première fois que je me fais couper les cheveux au clipper. Elle dit: ouais, elle dit c'est beaucoup plus rapide, puis il n'y en a pas beaucoup qui le font. Là, je m'en allais dire: ben, il y en a. Ça doit être. Elle dit c'est beaucoup plus rapide. Je m'en allais dire: ouais, ça doit être beaucoup plus laid aussi, hein. Puis là, ma mère et Tom disent que c'est vraiment. Sont vraiment pas droites pis tout, genre. Pis ça m'a coûté 32$ pis j'ai donné 1$ de pourboire. C'est fou, hein? Ah, la vie! Tu sais, ça fait. C'est la première fois depuis 2 ans que je me fais couper les cheveux, mais je n'ai pas de coiffeur. J'en avais une à Québec. Ici, je n'ai pas, pis j'ai bien de la misère avec ça. Moi, je me fais pas faire de teinture ni de coiffeur. Je me fais juste couper la pointe. On arrive au cuisinage. On mange un tartare, comme à chaque fois que la veille que Tom part. Mais elle mange du pain. Non. Gang! On est venu au centre-ville. Ça, c'est Marc Dupré au festival, mais on a amené les chiens pour leur faire faire. Pourquoi qu'elle a pleuré de même, pauvre petite? Ah, c'est tout facile. Mais on a amené les chiens, fait qu'on ira pas au show. As-tu barré ton char, tu sais? Ouais. Ah, j'ai pas amené de faire. Viens te dire goodbye, girl. C'est bien assis. C'est là comme mon pas de passer côté. Elle bouge pas, elle est assise, elle non, bouge pas. Non. Alors regarde le monde passé. Oh, pas un mot. Qui? Ah oh, ben, fais la peine. La peine. Thank you.
arrivée d'aller faire un tour en ville. Il est rendu minuit. Je suis vraiment brûlée. Tom est déjà parti coucher parce qu'il part demain matin. Puis moi, je vais me lever en même temps que lui pour déjeuner en même temps que lui. Puis après ça, j'ai plein d'affaires à faire. Puis je vais aller au Zumba demain matin. J'ai vraiment hâte. Là, je suis en train de vous mettre un vlog en ligne. Puis après ça, je vais me coucher. Je suis vraiment fatiguée. Là, c'est l'enfer. Puis ça, ma mère va rester un petit peu cette semaine. Là. Elle va avoir quelque chose cette semaine. Mais elle va rester juste le temps qu'elle peut. Puis c'est ça. Mais ça, je voulais vous parler de quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi. Le show de Marc Dupré était vraiment bon. Puis là, cette semaine, il faut que je finisse ma révision de maths pour m'inscrire à l'examen. Puis j'ai plein de choses à faire. Je vais avoir du gardiennage cette semaine aussi. Je vais aller pas mal au gym. Je vais faire du ménage. J'ai plein de trucs à faire. Fait que je vous souhaite bonne nuit, puis on va se parler demain. Bye tout le monde. Bye.